c'est dans cette salle pleine de médias locaux qu'a été lancé ce concours. Visiter le Gabon, qui n'en rêverait pas? Ce pays possède un charme naturel qui ne saurait être décrit. Avec ses plages au sable fin, ses lacs, sa flore et sa faune aux espèces uniques. C'est un challenge autre que ceux de danse et de beauté sur les réseaux sociaux qui viendra mettre en valeur la biodiversité gabonaise sous un autre angle, celui d'un photographe. Le Gabon a la plage de pose la plus importante de tortues marines qui est Mayumba. Le Gabon est le seul endroit au monde où on peut être sur un point. On peut vivre cet événement-là qui est particulier, où on peut être sur un point. On a les baleines qui brillent au large, on a des éléphants qui marchent sur la plage, on a des hippopotames qui vont surfer dans la mer. C'est unique au monde. Mais aussi un moyen intéressant de promouvoir l'écotourisme, valoriser le patrimoine naturel et créer une banque d'images. L'idée est de disposer d'une nouvelle base de données plus rafraîchie en termes d'image du Gabon. Il est donc important de valoriser ce patrimoine. Nous encourageons les amateurs et les professionnels de la photographie amoureux de la nature à s'inscrire massivement au concours, non pas uniquement pour les différents prix, mais aussi pour écrire l'histoire de la photographie de notre pays. Les images filmées par ces photographes professionnels et amateurs dans tous les coins du Gabon, issues des résultats de ce concours, pourraient servir à organiser des expositions itinérantes. Et des prix seront attribués aux gagnants. Alors, à vos objectifs, zoom, clic et photos.